Dime por qué. ¿Por qué te sorprende verme con alguien más? Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa et ses diamants. J'espère que vous allez bien. Est-ce que ça filme? Oui, c'est vrai que ça ne filmait pas. On se retrouve aujourd'hui pour du blabla point de croix. On va faire cette toile. J'ai commencé un tout petit peu et j'ai dit tiens, je vais blablater avec mes petits abonnés en brodant cette magnifique toile qui me vient de chez VIP Cross Stitch. Vous l'avez déjà vu en vidéo deux fois, vous avez vu l'unboxing et vous avez vu l'organisation avec mes organisateurs. Oui, l'organisation avec les organisateurs. Ça fait un petit peu deux fois organisé. Mais bon, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Je vous remontre le modèle. Et en la brodant, je me suis aperçue qu'elle est très, 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 très souple comparée à la Lotus. Vous vous rappelez ma toile XXL Lotus que je brode tous les mois là, et ben je la trouve très très souple. Alors je vais vous zoomer. Désolée si vous entendez causer, c'est mon conjoint en haut. Voilà, alors j'ai fait ceci, un peu de rose ici et j'ai commencé le fond jaune. Alors je vais vous montrer. J'ai des nouveaux abonnés, je vais vous montrer comment je démarre un fil et comment je, quand il est neuf et quand je le coupe et que je reprends en point d'arrêt. Voilà, ça va faire l'occasion de remontrer un petit peu comment moi je m'organise. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller avec du stress, hein, comme vous le savez. On est à J-6 maintenant. Donc, je pense pas après refilmer. Je sais que j'attends un unboxing, donc je filmerai un unboxing sûrement demain. Mais après, je filmerai pas jusqu'au mariage. Je pense pas que j'aurai déjà le temps. J'aimerais bien vous tourner le floss tube, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Bon, j'ai fait pas mal de choses avec mon conjoint et mes filles, donc ça a été plus vite que je n'aurais pensé. Bon, là, je finis mon fil. Et comme ça, après, je vais vous montrer comment je démarre un nouveau fil. Et comment je démarre un fil avec du point d'arrêt. J'espère que vous voyez bien. J'ai bien zoomé. Et comme ça, vous allez voir tout ça. Les boîtes de dragée, ça y est, sont faites. Tout est fait. J'ai fait... on a fini... On voulait rechanger le plan de table, mais finalement, on va laisser comme on a laissé. On a changé quelques trucs. J'ai fait mes petites étiquettes pour un jeu. J'ai fait mes petits placements, mes noms avec les placements. Ça y est, c'est écrit. J'avais acheté aussi un petit truc voilà, pour la déco. C'est monté. C'était long, mais c'est fait. Donc voilà. Là, je vais arrêter mon fil parce qu'il est tout petit. Voilà. Alors, je vous remonte comment j'arrête mon fil. Je prends les points que je viens de broder. Je passe en dessous comme ceci. Et je passe mon fil. Je tire doucement et je coupe à ras. Voilà. Et ça fait propre. Alors, on reprend un fil neuf. C'est le 27. C'est un joli rose. Ouais, j'ai pris des organisateurs, c'est mieux parce que les cartonnettes de ce modèle, je n'aime pas les cartonnettes. Je vous montre mes deux plaquettes qui sont magnifiques. Voilà.
Alors, j'ai pris un fil. Je pousse. Je vous avais tourné un unboxing hier et j'ai tout laissé là. Il va falloir que je range tout ça après. Dans la semaine, j'ai plein de choses à laver. Alors, je prends mon fil. Moi, comme vous le savez, je vous le répète, je vous le redis, je brode en deux brins. Donc, je prends un brin, je le mets en deux et ça me donne une boucle. Voilà. Donc, je prends mon fil, je mets mon aiguille. Si ça veut bien aller, oui, ça va aller tout seul. Hop là. Et j'ai toujours ma boucle qui est là. Donc, moi, je prends un point de départ. J'ai la boucle qui est ici. Vous la voyez? Je passe mon fil dedans. Je tire. Et pour mes premiers demi-points de croix est fait. Je repique. Et je fais ma demi-croix suivante. Moi, je travaille en demi-croix et après, je reviens. Voilà, j'espère que vous avez bien vu. Moi, je remercie infiniment Vipcross Stitch pour leur confiance pour cette toile. J'ai toujours mon petit code promo de 10% avec Vanesse10 que je vous mettrai en barre d'infos, ainsi que le lien de cette toile, le lien de la boutique. Vous aurez les renseignements toujours en barre de description. S'il n'y a pas le lien de l'article, c'est qu'il n'y est plus. Comme par exemple, mon projet avec Alex, ma toile de ma femme thaïlandaise, le modèle n'existe plus. Donc, bah, je vous mets juste le lien du site et pas le lien de l'article, quoi. C'est bien dommage qu'elle n'existe plus. Mais bon, il se renouvelle régulièrement, donc peut-être qu'un jour elle va revenir. Hop. Alors, voilà. Ouais, vous avez vu aussi la vidéo du tirage au sort de la case avec Alex. J'ai fait une toute petite vidéo parce que j'avais pas le temps de broder. Fallait que je vous fasse le tirage au sort, donc j'ai vraiment fait le minima. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je me rattraperai dans un mois, quand ce sera mon tour. Je vous ferai une grande vidéo. Voilà. Je suis... très émotive là depuis 10-15 jours là dès que je prépare quelque chose pour le mariage c'est puis là qu'on est à J-6 c'est encore pire hein. Et ça va le faire. Ça va le faire. Plus je travaille, donc ça va vite passer. Je travaille jusqu'à mercredi, je finis à 14h. Jeudi, je finis à midi et après, je reprendrai que le jeudi d'après. Donc, ça va vite passer là. Plus au boulot, alors. On voit pas les jours passer, donc ça fait déjà 2 semaines que j'ai repris le boulot, j'ai l'impression que c'était hier. Pardon. Donc voilà, moi je brode comme ça, surtout quand c'est en grande zone comme ça, je brode en aller-retour. Là je vous dis, elle est souple. Très très souple comparé à la Lotus. Pourtant c'est une Mona Lisa pareil, mais celle-ci elle est vachement souple.
Parce que ma lotus, elle est raide. Elle s'assouplit où je brode, mais l'endroit où je brode pas, elle est raide. Que là, même l'endroit où je brode pas, elle est souple. Ou alors la lotus, ils ont mis beaucoup d'amidon, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Donc là, on va finir ce fil-là et après, je vous ferai voir comment je redémarre un fil en point d'arrêt. Je commencerai un endroit avec une boucle et comme ça, après, je couperai et je redémarrerai en point d'arrêt. Comme ça, je vous montrerai. C'est une idée qui m'a été soumise par Alex de la chaîne Alex et ses passions. C'est vrai que c'est pas mal. Comme elle a dit, j'ai des nouveaux abonnés. Elle a dit c'est pas mal de remontrer aux gens qui savent pas. Après, chacun sa technique. Hein. Je dis pas que ma technique, elle est géniale. Hein. Ça se trouve, il y a d'autres techniques mieux que ça. On pouvait trouver sur YouTube. Il y a assez de personnes qui montrent leur technique pour broder. Donc, après, chaque personne brode à sa façon, on va dire. Il y en a qui aiment le 11CT en 3 brins. Moi, j'aime le 11CT en 2 brins. Voilà. Chacun, voilà. Je finis mes points. Et après, j'arrête mon fil. Voilà, hop, je repasse par derrière et comme tout à l'heure, je vais au bout et je coupe à ras. Voilà, et vous voyez, ça fait propre. Moi, j'aime bien. Bon, là, on voit pas très bien parce que c'est du rose, mais c'est brodé. Hein. Vous voyez bien, de toute façon, là. Donc, on va prendre le numéro 1. Le numéro 1, c'est l'autre cartonnette. C'est encore un rose. Je prends un fil. Voyez, je prends un fil et je tire tout doucement et ça vient. Voilà, je l'ai récupéré. Comme tout à l'heure, je le plie en deux. Je l'aligne bien comme ceci. Bien l'un côté de l'autre, je mets mon aiguille, hop, et il y a ma boucle comme tout à l'heure. Voilà. Alors, et je n'ai pas de cuisse-nap, je n'ai rien, malgré que la toile a fait 2,49 m. Elle est pliée, elle est sur ma table, je l'ai pliée là, et là je l'ai repliée contre moi. Pour l'instant, ça va comme ça, après je verrai comment je m'organiserai. Alors moi, je vais démarrer là. Je vais passer dans la boucle. Je fais mon demi-point. Et là, je fais point par point. Parce que comme c'est pas une grosse zone, hop. Les points se suivent l'un en dessous de l'autre. L'un en dessous de l'autre, pardon. Alors, où est... trop zoomer un petit peu plus, je sais pas. Voilà, on sait peut-être redondant pour les personnes qui savent faire du point de croix, mais c'est pas mal comme idée que Alex m'a suggéré. Les personnes qui débutent, moi je dis que c'est bien. Hop. Prenez-vous un petit café, un thé, petit gâteau et écoutez Vanessa. Voilà, c'est pas mal ça. Hop. Faudrait que je vous montre aussi, je me suis trouvé un point de croix à Nose. Un point de croix, en fait c'est une broderie, c'est pas un point de croix, c'est une broderie traditionnelle. Je ne l'ai pas là, je vous la montrerai... dans une vidéo autre. Alors, voilà. Je
pense que là, je vais finir mes deux points et je vais faire semblant, je vais arrêter mon fil et je vais reprendre après. Comme ça, je vais vous faire voir comment je fais un point d'arrêt. Hop. Je vais arrêter mon fil. J'en ai fait quoi de mon ciseau? Il est où le ciseau? Qui l'a volé? Il est là. Hop, je coupe à ras. Alors, là, je n'ai plus de boucle comme j'ai coupé. Vous voyez, mon fil est en deux. Voilà. Alors, je regarde la zone où je vais broder. Je prends le fil de la trame. Je suis là. J'avance jusqu'en à ras. Vous voyez, là, je suis à ras. Je pique au milieu. Voilà, et je tiens, et là j'ai mon point de départ. Là, mon fil est tenu, donc je fais ma croix tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on appelle un point d'arrêt. Et il y en a qui font aussi des points d'arrêt sur l'endroit quand ils arrêtent leur fil. Moi, je fais toujours mes points par l'arrière de la toile. Après, si vous cherchez des points d'arrêt sur le devant de la toile quand le fil est terminé, vous trouverez sur YouTube facilement. Hop. Il faudrait que je vous tourne la vidéo aussi parce que j'ai fini une toile. Oui, j'ai fini... mon projet 2024 avec Karine, de la chaîne Karine et ses passions. J'ai fini ma Gorgeous. Bah, ça fait déjà un moment que je l'ai terminée. Hein. Oh, peut-être un mois. Non. Parce que quand j'ai fait le Floss Tube de juillet, il manquait pas grand-chose. Et je l'ai fini quelques jours. Donc... quelques jours après, mais bon, ça va faire presque un mois qu'elle est terminée. Et vous voyez, après, je repars mes points. Voilà. Vous allez voir aussi une vidéo d'un nouveau partenariat. Un nouveau site de Point de Croix. J'étais ravie aussi de collaborer avec eux. Ça fait toujours plaisir quand il y a une nouvelle société qui vous contacte. Je pense que vous allez la voir sur plusieurs chaînes. Je pense que... Par contre, il y a une ou deux sociétés que j'ai plus de nouvelles. Non, je sais pas. C'est pas très très grave. Vous me direz. Je les vois toujours en activité parce que je vois les vidéos des copines. Donc, mais c'est pas grave. Alors, j'ai presque fini mon fil. J'espère que vous avez bien vu ce que je vous ai montré. Merci à Alex de m'avoir suggéré de remontrer. C'est vrai que j'aurais pu y penser. Parce que on se dit que tout le monde fait du point de croix, mais il peut avoir des nouveaux... Donc, c'est toujours sympa de... Il pleut. Ah non, c'est quelqu'un qui prend la douche. Je suis désolée, vous allez entendre l'eau. J'espère que ça ne va pas vous gêner. Sinon, je mettrai sur pause et je reviendrai après. Et voilà.
comme tout à l'heure, je repasse mon fil derrière pour l'arrêter. Voilà, je passe sur 2-3 trous et hop, et je coupe à ras. Voilà, mais ça fait nickel os. Alors, du coup, je vais recontinuer le numéro 27 un petit peu. Alors, numéro 27, il est là. Ça fait lourd, hein, les organisateurs, avec tous les fils dessus. Alors, si je vous retrouve le lien de ces organisateurs, je crois que je l'avais mis dans la vidéo, justement, quand on a préparé les fils. Sinon, vous pouvez la retrouver sous cette vidéo. Si j'y pense, je vous remettrai en dessous celle-là également, en barre de description. Je pense que je vais peut-être vous mettre sur pause. Ça se trouve, ça vous gêne l'eau, non? Je vous reviens. Voilà, je vous reprends. Allez, l'eau s'est arrêtée. Je pense que je ne vais pas vous reprendre longtemps, mais... Alors, je vais peut-être zoomer un peu... Donc voilà. J'espère que cette petite session de broderie vous aura plu. Je vais essayer de vous filmer au moins deux fois cette vidéo dans le mois. Bon, là, vous avez vu déjà l'unboxing. Je vous ai mis l'organisation des fils. Là, vous aurez de la broderie. On brode ensemble. Et peut-être vers le... Je sais pas, le 12-13, peut-être que je vous montrerai mon avancée et broderie ensemble. Bon, là, je dis pas que la broderie va être très productive. Hein. Vous le savez pourquoi. Hop. J'ai autre chose à faire. Et à penser. Mais je me dis, la broderie, ça me fait du bien, ça m'évade. Même si c'est qu'une session, une heure par jour, et ben ça me fait du bien quand même. Évacuer le stress. Ouais. Je fais cette vidéo, vous verrez sûrement cette vidéo plus tard, c'est pas grave. Je souhaite une bonne rentrée à tous les enfants. Je souhaite une bonne rentrée à ma fille qui rentre au lycée cette année. Ça aussi, c'est... Maman s'inquiète un petit peu, ce qui est normal. Hein. Nouvel établissement, nouveaux horaires... Toutes ses copines de l'année dernière ne sont pas dans le même lycée qu'elle. Donc, elle se retrouve vraiment toute seule dans ce lycée. Bon, elle va peut-être avoir des connaissances, mais c'est pas forcément, voilà. Je dis, mais t'en feras d'autres. Et ma fille est très solitaire et très... Ouais. Mais bon, j'ai confiance en elle. Ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Là, pour l'instant, on galère, c'est pour mettre en application, justement, son application pour activer le self. C'est une appli comme quoi elle doit le faire tous les dimanches et elle coche les jours où elle mange ou les jours où elle ne mange pas, en fait. Et par exemple, un jour où elle ne mange pas, il faut qu'elle l'active la veille avant minuit. Mais des fois, c'est pas évident, hein, je veux dire... Le matin, des fois, tu peux dire, bah tiens, je suis pas bien, je suis malade, ou tu n'es pas censé savoir que tu iras pas en cours, quoi, ça peut arriver. Mais quand on a un truc de prévu, je sais qu'elle a un jour où elle va manquer, elle a un rendez-vous, donc il faudra qu'elle coche pas le jour où elle ira pas, quoi. Alors, je crois que j'y demande si elle a réessayé. Et sinon, bah, quand elle ira en cours demain, et ben. Elle demandera, je pense qu'ils vont vous leur expliquer comment fonctionne l'application et ceux qui n'arrivent pas, pourquoi.
On va finir ce fil et après je vais vous laisser là. Dans ma sublime toile. Je suis très contente de l'avoir. Faut que j'arrête hein, de regarder les unboxings des copines parce que ça va pas ça. Ah, mon ciseau il veut plus couper. Bah oui, je m'en suis servi pour faire autre chose. Ah, c'est pas bien. Oui, je sais, c'est pas bien. C'est pas comme si que j'en avais plusieurs paires des ciseaux. Alors. Voilà. Hop. On va finir les points. Après, j'irai regarder le repas pour ce soir. Je ne sais pas quoi faire, mais je vais bien trouver. Hop, comme tout à l'heure. Et je coupe. Ara. Voilà. Il faudra que je mette un beau cover minder. J'en ai plein. Et j'en mets sur aucune toile. Ça, c'est pas bien, par contre. Je sors mon bureau dans une boîte et je mets... Ah ben il est là mon ciseau, je cherchais mon deuxième ciseau. Je vous ai dit, hein, j'en ai plein des ciseaux, mais je le cherchais hier. Voilà. Moi je vous dézoome quand même. Je vous remontre ce magnifique modèle. Voilà, je vous remettrai le lien en barre de description. Je vous montre ce qu'on a brodé ensemble. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Moi, je vous embrasse bien fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.